Dans la splendeur de la nature et au cœur de nos fermes, se cachent de véritables merveilles. Aujourd'hui, chers passionnés de l'agriculture et de l'élevage, nous vous invitons à plonger dans l'univers captivant des poules pondeuses. Ces créatures extraordinaires, en parfaite harmonie avec la nature, nous gratifient chaque jour de délicieux œufs frais. Bienvenue sur notre chaîne, où nous allons vous présenter les 10 races de poules pondeuses les plus productives du monde. Si vous rêvez de créer un poulailler prospère, ou que vous cherchez simplement à en apprendre davantage sur ces géniales poules, restez avec nous pour un voyage passionnant dans le monde des poules pondeuses. Préparez-vous à être ébloui par ces races incroyables et leur capacité à donner vie à la nature sous la forme d'œufs délicieux. Alors, sans plus tarder, commençons. Poule 10, l'amaran. Passons à présent à l'amaran, une race de poules pondeuses originaire de France et réputée pour ses œufs aux coquilles exceptionnellement foncées. Si vous êtes à la recherche d'œufs au charme unique, l'amaran saura certainement vous séduire. Cette race se distingue par son plumage riche et lustré, allant du noir profond au cuivré. Avec son allure fière et majestueuse, l'amaran est un véritable bijou dans nos poulaillers. Mais ce qui rend l'amaran encore plus spécial, c'est la couleur de ses œufs. En effet, elle produit des œufs à la coquille brun foncé, presque chocolat, ce qui en fait une race très appréciée par les amateurs d'œufs aux couleurs variées. En termes de productivité, l'amaran est également une poule pondeuse de choix. Elle peut pondre environ 180 à 220 œufs par an, soit près d'un œuf tous les deux jours. Cette fréquence de ponte soutenue en fait une candidate de premier choix pour ceux qui cherchent à récolter régulièrement des œufs frais. De nature calme et douce, l'amaran est également une poule facile à vivre, ce qui en fait une compagne agréable dans nos exploitations agricoles. Si vous recherchez une poule pondeuse à l'allure noble et aux œufs envoûtants, l'amaran est sans aucun doute une race à considérer. Poule 9, la Orpinton. La Orpinton se distingue par son plumage doux et abondant, qui lui donne une apparence de boule de plume moelleuse et élégante. Nous avions déjà parlé de cette race dans notre vidéo sur les 10 poules les plus géantes. Vous pouvez regarder cette vidéo dans la partie description. Cette race est disponible dans différentes couleurs, notamment le noir, le bleu, le blanc et le fauve, offrant ainsi une grande variété esthétique pour les éleveurs, soucieux de la beauté de leur poulailler. Outre son charme, la Orpinton est également réputée pour sa grande capacité de ponte. Elle peut produire jusqu'à 180 à 220 œufs par an, avec des coquilles de couleur brun clair. Bien que sa productivité soit légèrement inférieure à certaines autres races, la qualité de ses œufs et son tempérament en font une race très appréciée. La Orpinton est une poule paisible et douce, ce qui la rend facile à vivre et agréable à élever. Sa personnalité docile en fait également une poule idéale pour les familles avec enfants, car elle est généralement très sociable et tolérante. En termes d'adaptabilité, la Orpinton s'acclimate bien à différents environnements et peut être élevée avec succès, tant en milieu rural qu'urbain. Si vous recherchez une poule au caractère paisible, avec une production d'œufs respectable et un charme naturel, la Orpinton est une race à ne pas négliger. Elle saura apporter une touche de sérénité et de beauté à votre poulailler, tout en vous offrant des œufs délicieux pour votre table. Poule 8, la Viandotte. La Viandotte se caractérise par son plumage magnifique, avec des motifs de plumes finement dessinés et des couleurs variées telles que le noir, le blanc, l'argent, l'or ou le bleu. Cette diversité de couleurs en fait une poule particulièrement attrayante pour ceux qui apprécient la variété esthétique dans leur poulailler. Outre sa splendeur, la Viandotte est également une excellente pondeuse. Elle peut produire environ 200 à 240 œufs par an, avec des coquilles brun clair à brun foncé. Sa capacité de ponte régulière en fait une race appréciée des éleveurs, qui souhaitent avoir des œufs frais tout au long de l'année. La Viandotte est une poule de taille moyenne, dotée d'un tempérament équilibré et amical. Elle est réputée pour être sociable et s'entend bien avec les autres poules du poulailler, ce qui en fait une compagne idéale pour la vie en communauté. En termes d'adaptabilité, la Viandotte est également une race polyvalente. Elle peut s'épanouir aussi bien en confinement qu'en liberté, et sa rusticité lui permet de résister aux conditions climatiques variées. Si vous êtes à la recherche d'une poule à la fois charmante et productive, la Viandotte est un excellent choix. Avec sa beauté et ses performances avicoles, elle saura ajouter une touche d'élégance et d'efficacité à votre élevage. Poule 7, la Plymouth Rock. La Plymouth Rock est reconnaissable à son plumage contrasté, avec des rayures noires et blanches bien définies, qui lui donnent une allure élégante et robuste à la fois.
Cette race est réputée pour son tempérament amical et calme, ce qui en fait une excellente poule à élever, surtout pour ceux qui débutent dans l'élevage de volailles. Outre son caractère docile, la Plymouth Rock est également une poule pondeuse très productive. Elle peut pondre jusqu'à 200 à 250 œufs par an, et ce, même en hiver. Ses œufs sont de taille moyenne à grande, à la coquille brune. Polyvalente et facile à vivre, la Plymouth Rock est une race appréciée des éleveurs pour sa capacité à bien s'adapter à différents climats et environnements. Que vous soyez en zone rurale ou urbaine, cette poule s'épanouira parfaitement dans votre poulailler. La Plymouth Rock est donc une valeur sûre pour les éleveurs à la recherche d'une poule pondeuse fiable, avec une personnalité charmante et une production d'œufs régulière. Si vous souhaitez ajouter une touche de charme rustique à votre poulailler tout en profitant d'une récolte d'œufs abondante, la Plymouth Rock est définitivement une option à envisager. Regardez la vidéo dans la description pour en savoir plus sur cette race. Poule 6, la Sussex Light. Cette race de poules anglaises est réputée pour sa polyvalence et sa capacité à produire un nombre impressionnant d'œufs tout au long de l'année. Les Sussex Light se distinguent par leur magnifique plumage blanc, parsemé de taches noires ou grises. Leurs doux yeux rouges et leur démarche élégante leur confèrent une allure charmante, qui en fait un véritable plaisir à observer dans nos poulaillers. En plus de leur beauté, ces poules se distinguent par leur tempérament docile et amical. Elles s'adaptent facilement à différents environnements, ce qui les rend idéales pour les éleveurs débutants ou confirmés. Mais ce qui fait véritablement le succès de la Sussex Light, c'est sa capacité à pondre abondamment. En moyenne, cette race peut produire jusqu'à 220 à 260 œufs par an. Une performance remarquable qui en fait une poule pondeuse prisée par les éleveurs, à la recherche de rendement. Si vous cherchez une race polyvalente, facile à élever et qui vous gratifiera de délicieux œufs, la Sussex Light est sans aucun doute une excellente option. Continuez à nous suivre pour découvrir les autres races de poules pondeuses qui feront le bonheur de votre poulailler. Poule 5, la Sussex. La Sussex est une race de poules pondeuses et de chair, originaire du Royaume-Uni, et elle est appréciée pour sa polyvalence et ses qualités avicoles. Cette race se caractérise par son plumage blanc avec des taches noires, ce qui lui donne une apparence élégante et attrayante. La Sussex est réputée pour sa production d'œufs de couleur marron, et pour son excellente capacité à pondre régulièrement tout au long de l'année. En moyenne, une poule Sussex peut produire entre 240 à 280 œufs par an. Ces œufs sont appréciés pour leur taille et leur goût délicieux. Outre leur capacité de ponte, les poules Sussex sont également appréciées pour leur nature calme, docile et amicale. Elles s'entendent bien avec les autres poules du poulailler et sont faciles à manipuler, ce qui les rend idéales pour les éleveurs débutants ou pour les familles. Les Sussex sont également une race polyvalente, car elles sont également bien adaptées à la production de viande. Leur chair est réputée pour être savoureuse et tendre, ce qui en fait une race populaire pour les éleveurs, qui souhaitent combiner la production d'œufs et de viande. Pour assurer le bien-être des poules Sussex, il est essentiel de leur fournir une alimentation équilibrée, et de veiller à ce qu'elles aient suffisamment d'espace pour se déplacer et gratter le sol. Un abri sûr et propre est également important, pour les protéger des prédateurs et des intempéries. En conclusion, la Sussex est une excellente race de poules pondeuses et de chair, adaptée aux éleveurs de tout niveau d'expérience. Leurs qualités avicoles polyvalentes, leur nature amicale et leur apparence attrayante en font des animaux de ferme appréciés par de nombreux amateurs d'aviculture. Poule 4, la Rhode Island Red. La Rhode Island Red se distingue par son plumage riche et chatoyant, avec des teintes allant du rouge profond au marron doré. Cette couleur flamboyante lui a valu le surnom de rouge de Rhode Island, et en fait une poule très attrayante pour les éleveurs à la recherche de beauté dans leur poulailler. Mais la Rhode Island Red n'est pas seulement une poule belle à regarder, c'est aussi une pondeuse exceptionnelle. Elle est réputée pour sa grande capacité de production d'œufs, pouvant pondre jusqu'à 250 à 300 œufs par an. Ces œufs ont une coquille brun foncé, et leur qualité est très appréciée pour leur saveur riche. En plus de sa productivité avicole, la Rhode Island Red est une race réputée pour sa robustesse et sa résistance. Elle s'adapte bien à différents climats et environnements, ce qui en fait une poule idéale pour les éleveurs débutants ou expérimentés. En termes de tempérament, la Rhode Island Red est considérée comme étant vive et active, avec une personnalité énergique et curieuse. Elle est souvent décrite comme étant sociable, et s'entend bien avec les autres poules du poulailler. Si vous cherchez une poule pondeuse dynamique et productive, la Rhode Island Red est une excellente option. Sa beauté,
son caractère enjoué et sa capacité à produire des œufs de qualité en font une race très prisée par de nombreux éleveurs. Poule 3, l'Australore. L'Australore est une race de poule pondeuse, très appréciée pour sa productivité élevée en matière d'œufs. Elle est originaire d'Australie et est devenue populaire dans le monde entier, en raison de ses nombreuses qualités. Cette race se caractérise par son plumage noir luisant, qui lui donne une apparence élégante et attrayante. Les Australores sont réputés pour être de grandes pondeuses, pouvant pondre jusqu'à 250 à 300 œufs par an. Leurs œufs ont une coquille de couleur marron, et sont appréciés pour leur taille et leur goût délicieux. Outre leur productivité avicole, les Australores sont également appréciés pour leur tempérament doux et docile. Elles sont généralement faciles à gérer, et s'entendent bien avec les autres poules du poulailler. Leur nature calme en fait également des animaux de compagnie agréables pour les amateurs d'aviculture. Cependant, comme toute race de poule, les Australores peuvent être sujettes à certaines maladies et problèmes de santé. Il est essentiel de surveiller leur santé de près, et de leur fournir un environnement propre, et bien entretenu pour prévenir les problèmes potentiels. En conclusion, l'Australore est une excellente race de poule pondeuse pour les éleveurs, qui recherchent une production d'œufs élevée et un tempérament amical. Leur beauté, leur productivité et leur nature douce en font des animaux de ferme idéaux. Pour les amateurs d'aviculture de tout niveau d'expérience. Poule 2, la Leghorn. La Leghorn est une poule de taille moyenne au plumage léger et élégant, généralement de couleur blanche. Son apparence fine et élancée lui donne une allure gracieuse, qui a séduit les éleveurs du monde entier. Mais ce qui rend la Leghorn véritablement exceptionnelle, c'est son rendement élevé en termes de production d'œufs. En effet, cette race peut pondre jusqu'à 280 à 320 œufs par an, voire plus, ce qui est en fait l'une des meilleures pondeuses au monde. Ces œufs ont une coquille blanche, et leur qualité est souvent appréciée pour leur goût savoureux. La Leghorn est une poule vive et active, avec un tempérament alerte et curieux. Elle aime explorer son environnement. Et s'adapte bien à différents types de poulaillers, qu'ils soient en confinement ou en plein air. En raison de sa grande énergie, la Leghorn nécessite souvent plus d'espace et d'attention que certaines autres races. Cependant, elle est également réputée pour être résistante et robuste, ce qui est en fait une race appréciée par de nombreux éleveurs. Si vous recherchez une poule pondeuse de haut niveau en termes de productivité, la Leghorn est un choix incontournable. Son rendement élevé en œufs frais et de qualité en fera une précieuse alliée pour les passionnés d'aviculture à la recherche d'une race performante. Poule numéro 1, la Isa Brown. La Isa Brown est une race de poule pondeuse très populaire et réputée pour sa grande productivité en matière d'œufs. C'est une race hybride créée en croisant différentes souches de poules, ce qui lui confère des qualités exceptionnelles en termes de ponte. Cette race est connue pour sa capacité à produire un nombre élevé d'œufs de couleur brun clair à brun foncé. Les poules Isa Brown peuvent pondre en moyenne entre 300 et 350 œufs par an, voire plus, ce qui est en fait des pondeuses extrêmement productives. Outre leur productivité en matière d'œufs, les Isa Brown sont également appréciées pour leur nature docile et leur facilité d'élevage. Elles sont généralement très faciles à gérer et peuvent bien s'adapter à divers environnements. Pour assurer le bien-être et la santé des poules Isa Brown, il est essentiel de leur fournir une alimentation équilibrée et de veiller à ce qu'elles aient un abri sûr et propre. Les soins réguliers, l'accès à de l'eau fraîche en tout temps, et un environnement exempt de prédateurs potentiels, sont également importants pour garantir leur santé et leur confort. En conclusion, la race de poule Isa Brown est un excellent choix pour les éleveurs, qui recherchent une production d'œufs élevée, et une race facile à élever. Leur capacité de ponte exceptionnelle et leur nature amicale en font des animaux de ferme idéaux, pour les amateurs d'aviculture de tout niveau d'expérience. En somme, les races de poules pondeuses que nous avons découvertes dans cette vidéo, sont toutes remarquables à leur manière. Chaque race offre ses avantages en matière de production d'œufs, de caractère et d'adaptabilité à différents environnements. Que vous recherchiez une grande productivité en matière d'œufs, une race facile à élever, ou une combinaison des deux, il existe une variété de choix parmi ces races pour répondre à vos besoins. Il est important de prendre en compte vos objectifs d'élevage, vos ressources disponibles, et vos préférences personnelles lors du choix de la race de poule pondeuse, qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur chaque race, à consulter d'autres éleveurs expérimentés et à prendre en considération les caractéristiques spécifiques à votre région avant de faire votre choix.
Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir ces races fascinantes de poules pondeuses et qu'elle vous aidera dans votre projet d'élevage. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réussites dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et aimez cela pour nous soutenir.